Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, comme vous avez vu hier, je vous ai présenté le nouveau kit que j'ai commencé aujourd'hui. La petite grenouille qui prend sa douche. Voilà. Donc voilà, j'ai commencé ma petite grenouille. Donc, comme je vous avais expliqué, il me manque des perles, enfin une couleur de perles. Donc voilà, j'ai pris contact avec la boutique qui m'a répondu. Bon, ça n'a pas été simple, simple, je vous explique pourquoi. Bon, il m'envoie les perles, hein, là-dessus, il n'y a pas de problème. Donc moi, j'avais envoyé un premier email avec en marquant le numéro et la référence des perles qui manquaient. Ils m'ont renvoyé un email en me demandant d'envoyer une photo de la perle et la référence de la perle. Oui, mais je n'ai pas de perle, donc ce que j'ai fait, j'ai fait une photo de, vous savez, des petites références là qu'on a sur le kit. Et j'ai remarqué la référence. Ils m'ont renvoyé bon, il me disait qu'il m'envoyait les perles, qu'il n'y aurait pas de souci. Mais il m'a envoyé un email, elle m'a répondu encore une fois, en me disant qu'elle préférait que je lui envoie une photo du kit. Alors que dans mon premier email, hein, je lui avais mis le lien du kit dont je parlais. Donc ça atterrissait dans sa boutique, donc elle savait très bien de quel kit je parlais. Mais bon, donc j'ai pris en photo le kit et je lui ai renvoyé la photo du kit. Bon, là ça y est, elle m'envoie les perles. Maintenant je vais attendre en espérant qu'elle se trompe pas de couleur. Mais bon, 4 emails pour m'envoyer un sachet de perles. Alors que si elle avait cliqué sur le lien que j'avais mis dans mon premier email, elle aurait vu tout de suite de quel kit je parlais. Voilà. Mais bon, que voulez-vous? Principal, c'est que je reçois les perles. Non, je vais attendre. Donc, je compte à partir d'aujourd'hui. Donc là, on est le 10 septembre. Donc, on verra combien de temps ça va mettre pour que je reçois les perles. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, c'était une couleur. Donc, vous verrez. Donc, dans la partie que j'ai commencé, du coup, il y a des trous puisqu'il me manque cette couleur-là. Donc, vous verrez qu'au début, je prépare ma toile. Enfin, quand je prépare ma toile, moi j'ai l'habitude de marquer mes cases sur les côtés puisque je travaille par cases. Souvent, je fais des cases 10-10. Là, comme c'est un petit kit, j'ai mesuré ce que ça faisait. J'ai pu faire des cases 12-11. Voilà, 12 comme ça en horizontale et 11 en verticale. Ce qui va me faire 6 cases. Voilà, est-ce que vous avez compris mon charabia? Donc je vais avoir 6, je vais travailler 6 fois dessus. Voilà. Comme ça, bon là, du coup, j'ai pas fait 10-10 hein, parce que le kit est trop petit. Et puis, comme c'est un 30-40 avec les marges, donc sans les marges, c'est plus petit. Donc voilà. Donc il y a deux colonnes comme ça en hauteur, et il y en a trois comme ceci en verticale. Voilà. Donc, non, trois en horizontale et deux en verticale. Voilà.
Je vais y arriver, hein, c'est le soir. Donc, bon, de toute façon, je pense que ce kit va être fait rapidement. Là, bon, il n'y a pas de souci, c'est des perles rondes. Donc, les perles rondes, ça va beaucoup plus vite que les carrés. Le kit n'est pas du tout abîmé, les perles ne sont pas du tout abîmées. Donc, voilà. Donc, il n'y aura pas de grandes difficultés à part cette couleur qui me manque et que j'attends. Sinon, bah, rien de neuf. Hein. Là, j'attends. Donc, j'ai fait ce que mon docteur m'a dit. J'ai appelé, enfin, j'ai appelé la secrétaire du spécialiste pour mon. Ah, ma thyroïde, pour savoir pour l'opération. Et elle m'a dit de lui envoyer un email à elle avec les documents que j'avais reçus et donc qu'elle allait lui remettre. Donc ça c'était mardi. On est vendredi. J'ai toujours pas de nouvelles. Donc je ne sais pas quand est-ce que. Je ne sais toujours pas quand est-ce que je serai opérée. Mais bon. Je vais encore les voir cette semaine si j'ai des nouvelles. Si j'en ai pas, je rappellerai la secrétaire vendredi prochain ou lundi d'après. Parce que bon, j'aurais bien quand même savoir. Hein. Voilà. C'est pas que je sois pressée qu'on me charcute. Mais bon. Donc j'ai vu ce que beaucoup d'entre vous m'avaient demandé aussi des nouvelles de Chouchou. Ça va. Il n'y a pas de souci. Il est sage. Il est sage, il fait attention. Et puis, on a déjà arrêté le régime. Non, parce que notre médecin, il a vu le médecin traitant, il lui a posé la question en disant si on fait régime, est-ce que son aorte ne va pas s'ouvrir plus vite ou... Et il a dit ça n'a strictement rien à voir. Alors, malgré que moi, j'aurais quand même besoin d'un petit régime. Malgré que j'avais perdu beaucoup il y a 2 ans avant le premier confinement, là j'aurais bien besoin de refaire régime quand même, mais bon, du coup là on l'a arrêté donc on a fait quoi? 2 jours, 3 jours de régime, mais bon, de toute façon, je suis pas motivée. Chouchou non plus, de toute façon, lui, les régimes, c'est vrai que ça lui dit rien. Et puis là, moi, je suis pas motivée pour l'instant. Et je regrette, c'est d'avoir repris du poids après avoir perdu mes 18 kilos. Mais bon, c'est comme ça, on n'y peut rien. Bon. Allez, je vais vous laisser regarder cette petite grenouille. Voilà. Si vous avez des questions, ça se passe toujours en commentaire. Des petits pouces bleus au passage, si vous voulez. C'est toujours bon à prendre. N'oubliez pas, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, il y a toujours le concours, hein, qui est d'actualité. Donc, vous remontez de 3-4 vidéos au-dessus ou en dessous, voilà, je sais plus. Y a le concours, il est encore bon une semaine, donc n'hésitez pas à participer. Voilà. Allez, j'arrête de blablater. Ça fait mes 10 minutes. J'ai toujours mes 10 minutes de blabla avant la vidéo. Et je vous fais des gros bisous. Et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt. Bisous, bisous. Allez, je coupe. Bon visionnage.
Thank you.
Thank you.